3, 4. Ce sont les filles de l'Orient joli, ce sont les filles de l'Orient. Grand Dieu, qu'elles sont jolies, elles ont l'or. Grand Dieu, qu'elles sont jolies, elles vont le soir se promener jolie, elles vont le soir se promener le long, long, long de la rive, long là, le long de la rive. Arrive, arrive, beau bâtiment joli, arrive, arrive. Arrive, beau bâtiment, te souhaite la bonne arrive, allons lire là. Choc vous fait un programme instrumental, vous fait un programme chanté, et comme nous ne sommes pas des conteurs, eh bien nous avons invité le conte ici au Festival de Loire sur cette scène avec un fameux conteur, un fameux bonimenteur de Loire qui va vous raconter une petite histoire de Meunier avant d'entendre la chanson. Je laisse la place à Sénabum. Nous allons sur le Loiret, ce frère d'eau et non pas de sang de la rivière Loire. Et sur le Loiret, il y a des moulins qui sont arrivés grâce au traité de Missy, à la charte de Missy avec Clovis. Sur l'un d'eux, celui de la Motte, il se passe de drôles de choses. À chaque fois que des grains arrivent, Aurélie, la belle meunière, dit à son Cornille: « C'est ballot, j'ai oublié les sacs pour mettre la farine, j'ai oublié le pain pour manger à midi. » Et à chaque fois, quelle que soit la demande, le maître Cornille va à Olivet. Il abandonne le moulin de la Motte, tandis que Aurélie accueille le gentil garçon qui vient porter les grains à moudre. Cornille se pose une question. À chaque fois qu'il est dans le village d'Olivet, on lui fait de drôles de signes au-dessus de la tête. Que se passe-t-il dans sa maison? Ce jour-là, il se dit, il faut que j'aille voir. De visu, il arrive, le moulin tourne, le grain est moulu, et on entend les murmures de la meunière, et sur la pierre, juste devant la porte d'entrée, le bicorne du garde champêtre. C'est ainsi, le bicorne, voilà pourquoi on lui faisait signe. Il est fou de rage, il prend son fusil, il va se venger en mettant ce qu'il faut pour truffer les fesses de l'impertinent qui vient embêter son Aurélie. Il s'est caché derrière une bouchure, il attend la sortie de l'homme, ça ne manque pas. Il descend l'air un peu niaiseux comme un bonhomme qui a fait son affaire. Quand il se met à marcher le long de la rivière, le long du Loiret, il arme. Et soudain surgit un lièvre si dodu que le pauvre meunier est dans l'obligation de choisir laver son honneur ou manger un civet. Quand on est du pays et qu'il est midi ou midi et demi, il n'y a point d'hésitation. Il vise, il tire le civet, mais le pauvre garde-champêtre a plongé dans le Loiret.
Aurélie s'approche, veut secourir son amant, et la Cornille la pousse inélégamment dans la rivière. Il l'a relevé malgré tout parce qu'il avait besoin d'une cuisinière pour lui cuisiner le civet. De ce jour, Cornille et son Aurélie se sont définitivement réconciliés. C'est toujours autour d'une table que ces choses-là arrivent. Place au moulin. C'est la bonne. Derrière de chez mon père, il y a un moulin. Derrière de chez mon père, il y a un moulin. Le meunier qui l'habite, c'est un joyeux blondin. Le meunier qui l'habite, c'est un joyeux blondin. Revenez-y dans ma jolie demoiselle, car il est en train, mon moulin. Revenez-y dans ma jolie demoiselle, car il est en train d'y moudre. Revenez-y dans ma jolie demoiselle, car il est en train, mon moulin. Revenez-y donc, ma jolie demoiselle, car il est en train d'y moudre. Par là passe une vieille qui voulut moudre son grain. Par là passe une vieille qui voulut moudre son grain. Pour vous, ma pauvre vieille, mon moulin ne marche point. Pour vous, ma pauvre vieille, mon moulin ne marche point. Revenez-y donc, ma jolie demoiselle, car il est en train, mon moulin. Revenez-y donc, ma jolie demoiselle, car il est en train d'y moudre. Revenez-y donc, ma jolie demoiselle, car il est en train, mon moulin. Revenez-y donc, ma jolie demoiselle, car il est en train d'y moudre. Par la passe une vieille qui voulut moudre son grain. La passe une vieille qui voulut moudre son grain. Pauvre ma pauvre vieille, mon moulin ne marche point. Thank you.
Merci, merci.